la France dans les années 80. Vive la France! La troisième circonscription était présente et de nombreux participants du bocage étaient là. Plusieurs cars en provenance de Briouze, Flers et Tingebray ont été nécessaires pour le rendez-vous de Pantin. C'est ici que moi j'ai mon existence. Les entrepays, c'est pour les vacances, pour les romances. Vive la France! Vive la Bretagne, vive la Corse, la Provence. Entre elles, il y a quelques différences, mais quand même une certaine ressemblance. Et c'est la France. Et tant pis si quelques bons... Eh bien, j'espère que la sagesse, la fermeté de ces populations les conduiront à faire le bon choix, c'est-à-dire à voter pour Giscard d'Estaing, en écartant ce mélange trouble de communisme et de socialisme que M. Mitterrand apporterait au pouvoir si par malheur il était élu, mais je crois que les Français vont conjurer ce malheur. Certains attendent le président et d'autres leur papa. Vive la France! Ça vaut bien aller les verts, allez France, dans le bonheur ou bien dans la souffrance et dans l'espérance. Vive la France et vive le village de mon enfance et vive le ciel de Paris le dimanche. Vive le pont d'Avignon. Bonjour Moria. J'ai vu votre belle veille, votre tête à... Les Françaises et les Français m'ont confié votre sort il y a 7 ans. Je me suis efforcé de bien vous servir. Malgré les tensions et les menaces, je vous ai permis de vivre en paix. Nous vous avons représenté dignement dans le monde. Davantage d'État, moins d'État. C'est en 4 mots le centre du débat. D'un côté, dans le ciel, les ailes noires des oiseaux qui portent les mauvaises augures. Et de l'autre, la société de l'espoir.
vocation. J'aurais fait du théâtre. Pourquoi vous n'avez pas fait? Parce que la politique, c'est le plus bel exercice de synthèse. Les amis et les amis de Giscard, c'est de la porte de Pantin que je vous adresse ce message, puisque je ne pourrai pas être avec vous mercredi à Flers. Le président, comme vous le savez, comme vous l'avez su, a fait un triomphe devant plus de 130, 140, 150 000 personnes, qui sait. Mais là n'est pas le problème. Le problème, c'est qu'il a rassemblé les Français pour le second tour. Alors, vous savez que je ne peux pas être là pour la dernière semaine du second tour. Alors, je compte sur vous pour mettre le paquet et pour, à ma place, faire le travail que j'aurais fait dans tous les cantons de la troisième circonscription de l'Orne pour que nous battions les records au second tour que vous avez battu au premier tour. Et je vous dis, de toute façon, après, à bientôt. Bon courage, bonne chasse. Alors nous voici sur l'aéroport de Flers, aujourd'hui 10 mai, où nous attendons la venue par avion venant de Paris de notre ami le député Hubert Basso. Ceci n'est pas sans me rappeler les débuts d'Hubert Basso dans la troisième circonscription. Il m'est fier de constater combien il a été influent et un homme de tout premier ordre dans la campagne de Valéry Giscard d'Estaing, campagne qui, vous le savez, a été extrêmement dure. En long, en large, en travers, vive la France, ça vaut bien aller les verts. Combien de temps à 13h20? 593. Tous mes amis, bonjour. Quand vous verrez les images, grâce à la technique et à l'amitié de notre ami Pat, que je remercie au début de cette émission, puisqu'il faut bien maintenant commencer à l'appeler ainsi. Il est 2h moins le quart, je viens de voter à Briouze et je vais repartir pour Paris. Je veux simplement vous dire, d'abord, merci pour tout ce que vous avez fait pour le président et le faisant pour le président, pour tout ce que vous avez fait pour notre pays. Vous savez tous, mieux que quiconque, l'importance de ce soir. Vive la France dans les années 80. Vive la France, c'est démodé, c'est chauvin. Vive la France, c'est un truc pour les anciens. Vive la France, vive la France. Il est 2h moins le quart, je viens de voter à Briouze et je vais repartir pour Paris. Je veux simplement vous dire, d'abord, merci pour tout ce que vous avez fait pour le président et le faisant pour le président, pour tout ce que vous avez fait pour notre pays. Vous savez tous, mieux que quiconque, l'importance de ce soir. Vive la France, vive la Bretagne, vive la Corse, la Provence. Entre elles, il y a quelques différences, mais quand même une certaine ressemblance. Et c'est la France. Et tant pis si quelques bons esprits se moquent bien et rient lorsque je dis vive la France. En long, en large, en travers, vive la France. Ça vaut bien aller les verts. Allez France, dans le bonheur ou bien dans la souffrance et dans l'espérance. Vive la France et vive le village de mon enfance. Et vive le ciel de Paris
aiment la France. Et tant mieux pour ceux qui sont heureux en rouge, blanc et bleu dans leur banlieue. Vive la France, tant d'hommes sont morts pour que. Vive la France, pour que tu puisses dire. Vive la France, ça serait bien que par moment tu penses. Oui, que tu penses. Vive la France dans les années 80. Vive la France, c'est des monnaies, c'est chauvin. Vive la France, c'est un truc pour les anciens. Vive la France, vive la France. Vocation. J'aurais fait du théâtre. Pourquoi vous n'avez pas fait? Parce que la politique, c'est le plus bel exercice de synthèse. Les amis et les amis de Giscard, c'est de la porte de Pantin que je vous adresse ce message, puisque je ne pourrai pas être avec vous mercredi à Flers. Le président, comme vous le savez, comme vous l'avez su, a fait un triomphe devant plus de 130, 140, 150 000 personnes, qui sait. Mais là n'est pas le problème. Le problème, c'est qu'il a rassemblé les Français pour le second tour. Alors, vous savez que je ne peux pas être là pour la dernière semaine du second tour. Alors, je compte sur vous pour mettre le paquet et pour, à ma place, faire le travail que j'aurais fait dans tous les cantons de la troisième circonscription de l'Orne pour que nous battions les records au second tour que vous avez battu au premier tour. Et je vous dis, de toute façon, après, à bientôt. Bon courage, bonne chasse. Vive la France dans les années 80. Vive la France, c'est démodé, c'est chauvin. Vive la France, c'est un truc pour les anciens. Vive la France, vive la France, vive la France. J'avoue que j'aime autant.